Greetings. It's always a pleasure welcoming you to yet another edition of the Kamel Olympic View on CRTV, that program that gives the latest concerning activities of the National Olympic and Sports Committee in Cameroon. As we did promise last month, this month edition of the program emphasis will be laid on the upcoming National Games of Cameroon, dubbed Dixiad, to take place in the nation's capital city, Yaoundé, from December 11 to December 21, 2024. Get to know more about how ready Yaoundé is prior to the start of this competition, and likewise we'll have the opportunity to listen to some of the stakeholders involved in the organization of the 8th edition of the National Games of Cameroon, dubbed Dixiad. Get set as the entire production team is ready to unveil the package we have prepared for you in this edition of the Cameroon Olympic View, but we will only do that after this break. Let's begin our program tonight with the installation of members of the local organizing committee of Dixia 2024. For us to get to know more, let's revisit this report done for us by Amang Ambassa. Les éclats sont réellement installés dans vos positions respectives au sein du comité local d'organisation des Jeux nationaux Cameroun 2024. Le rituel d'installation de ces hauts responsables du comité local d'organisation des Dixiades 2024 a été marqué par la désignation des membres du comité d'honneur. On doit mettre au travail la compétence de tout le monde. Et donc voilà, nous voulons faire un changement, une différence entre ce qui s'est passé dans les autres régions et ce qui va se passer cette année à Yaoundé. Voilà pourquoi nous avons sollicité les patriarches, les ministres, tout le grand corps de notre région. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Kamana, chef de ce comité, il est secondé par le professeur Robert Nkili et Hilarion Mouton comme vice-président. J'ai été surpris de voir mon nom comme président du comité d'honneur d'organisation de cette cérémonie. Cette surprise ne traduit que la confiance que vous avez en moi et le sérieux qu'on attache à l'événement en préparation. Merci de cette confiance et je suis tout dévoué à assumer les fonctions que vous m'avez données. 11 au 21 décembre prochain, la 8e édition des Jeux nationaux va, pendant cette période, mobiliser les acteurs issus des 10 régions du Cameroun pour accélérer efficacité et abnégation dans le travail sont les recommandations fortes à l'endroit des responsables des 12 commissions spécialisées. Nous n'avons plus assez de temps. Nous avons autre 2 mois et c'est trop petit pour travailler. Heureusement pour nous, nous sommes à Yaoundé avec le comité olympique qui avait commencé ce travail et nous allons tout simplement mettre le pédale double pour continuer ce travail. À 2 mois du début de la compétition, le comité national olympique et sportif du Cameroun a anticipé sur certains aspects de l'organisation. Le comité local d'organisation est quelque chose d'essentiel dans la réalisation effective des Jeux. Il s'est donc mis en place et nous continuons de travailler en synergie avec ce comité local pour implémenter comment les Jeux doivent se passer. Vous savez que c'est une période très importante qui permet en fait de préparer les prochaines Olympiades. Au cours de cette cérémonie d'installation, les missions assignées à chaque commission ont été présentées. Les réunions d'évaluation quant à elles vont se multiplier avant le kick-off. Merci à Mambassa pour ce reportage. Parlons à présent du logo retenu par le Comité national olympique et sportif du Cameroun qui sera utilisé pendant cette compétition qui débute le 10 décembre prochain et s'achève le 21 décembre ici à Yaoundé. Romion Kenny nous en dit plus dans ce reportage. The Reunification Monument, brandished in national colors, green, red, and yellow,
At its apex, the Olympic flame shines bright, and below the structure lies the slit drum, a vital musical instrument in the Fangbeti area of Cameroon. That's because the host city of this year's National Games, dubbed Dixiad, is Yaoundé, headquarters of the Mfundi Division, situated at the heart of the Fangbeti geographical zone. Il y a un fondu enchaîné, déjà les différentes disciplines artistiques, mais il y a aussi cette dimension de main dans la main au secteur libre. Et l'artiste a judicieusement utilisé le triangle pour 1. Le Cameroun, 2. Le sommet de l'effort, mais 3. Aussi la ville de Yaoundé. Et ces volumes-là, il les a représentés aussi très distinctement, très présentement. And since Yaoundé is also the capital of Cameroon, the logo also displays the true sense of hospitality and national cohesion in a competition that will bring together sons and daughters of the same country for over 10 days to showcase their skills in diverse sport disciplines. The chosen Dixiad logo also has the symbol of the Olympic Games attached to it, plus the name of the host city and the year 2024 written in bold. With all said, competitors and event organizers are now waiting for the official kickoff of the competition. What we can easily remember about the National Games of Cameroon is that some of these outstanding Cameroonian athletes who have so far been able to write their names in gold in the annals of the National Games of Cameroon passed through previous editions of the National Games of Cameroon Dixiad. Gideon Tazoff went finding out. He now tells us more in this report. Since inception in 1996, under the aegis of the National Olympic and Sports Committee, the Cameroon Games, called the Dixiad, have served as a platform for many Cameroonian athletes who are excelling today across the globe. For now, we can proudly mention that judokas, basketballers, throw boxers, and track and field athletes have had the opportunity to springboard from the Dixiad. Today, if 21-year-old Yaoundé ICT University student Marie-Céline Baba Matia is a household name in African judo, it is largely thanks to the Cameroon Games of 2018 in Bafoussam. She has gone forward to win gold at the African Junior Open in Rwanda, silver medal at the 2023 African Games in Ghana, gold medal at the African Judo Open in Abidjan, and participate at the 2024 Olympics in Paris, among many other competitions. Boxing's Dieudonné Wilfried Seyi Senge, who was Cameroon's flag bearer at the Tokyo Olympics of 2020, is a pure product of the Dixiad. Today, Seyi is fine-tuning in Canada. He was a gold medalist at the 2015 African Games in Brazzaville, Congo, silver medalist at the 2018 Commonwealth Games in Gold Coast, Australia, and bronze medalist at the 2017 Islamic Solidarity Games in Baku, Azerbaijan. The Dixiad also boasts of having produced an athlete who has won the redoubtable Mount Cameroon race in Tatakarin. After winning the women's 5,000 meters at the 2018 Dixiad in Bafoussam, Tatakarin has gone ahead to win the Mount Cameroon race 5 times, 2018, 2019, 2020, 2022, and 2023. Still in athletics, we can't fail to mention Claude Emmanuel Etonge. From humble beginnings at the Dixiad, Claude Emmanuel Etonge now represents Fatherland in the 100 meters, 200 meters dash events, and even the 4x100 meter relay. His recent success was a silver medal at the 2023 African Games. Le 1 décembre 2024, les meilleurs sportifs des 10 régions rivaliseront d'adresse pour conquérir les médailles dans la ville siège des institutions, la capitale Yaoundé.
Let's now have our first guest on the program tonight. He happens to be the governor of the Central Region, Nasebe, Paul Biya, involved in the local organization of the upcoming National Games of Cameroon. He has been coordinating at the local level here in the Central Region, given that his region is going to welcome the Games, is going to welcome delegations from nine other regions of Cameroon. Key aspects to watch out for: security and likewise health and the lodging facilities for the different delegations that will be in Yaoundé from the 8th and 9th of December 2024. Let's listen to Governor Nasebe Paul Biya. He was interviewed for us by Evariste Yinga. Parti va en bon train. Yaoundé bénéficie de la présence du Comité national olympique sur place. Donc beaucoup de choses sont faites au niveau local comme au niveau national. C'est que le Comité national olympique qui nous appuie avec la proximité à tout ça. Ils avaient commencé depuis le 16 mai avec les différentes notes de service, créant donc toutes les commissions. À date, tous les lieux d'hébergement ont été choisis. Les stades aussi ont été visités, non seulement choisis et visités. Et nous pensons que dans le bon chemin, nous demandons à nos élites et d'autres personnes de bonne volonté qui ont d'autres commodités de nous assister. Et nous avons beaucoup de réactions. Cette organisation est un dossier en dehors du gouverneur que je suis au niveau du conseil régional. Mais la mairie de la ville, comme par le passé, a mis le grand paquet. Ils ont mis un grand paquet et le montant, si ce n'est pas un secret, de 50 millions de francs a été déjà viré et dans le compte déjà du comité olympique national, que j'ai eu donc la confirmation. Donc nous voulons dire et profiter de cette occasion pour vous dire déjà que nous allons relever le défi avec donc la participation de tous et dire merci à monsieur le maire de la ville pour cette réaction prompte. Nous entendons les premières délégations le 9, à partir du 9, c'est-à-dire deux jours avant. Et nous avons pris toutes les dispositions avec les comités d'accueil, toute une commission pour ça. Et la plupart de structures d'hébergement qui sont dans la zone de Yaoundé 6 et Yaoundé 3, on sont déjà prêts parce qu'on ne peut pas faire la publicité de ces structures et que le grand hub de la plupart des activités sera donc autour de Ngouakélé. Le ministre Grégoire Wouna throws more light on the level of preparedness of the National Olympic and Sports Committee and likewise other issues that we need to know prior to the start of the National Games of Cameroon. He was once more interviewed by Evariste Yinga. Les préparatifs se déroulent, j'allais dire normalement, suivant le planning qui a été fait. Nous allons faire une cérémonie d'ouverture et une cérémonie de clôture qui ne se passeront pas
dans un stade comme on en voit habituellement. Vous allez peut-être me dire que nous voulons imiter les Jeux Olympiques de Paris, mais c'est peut-être ça aussi. Mais nous avons la mairie de Yaoundé qui s'est très bien impliquée dans le processus et ces cérémonies auront lieu à l'esplanade de l'hôtel de ville. Ça, c'est une première innovation. Dans l'athlétisme, par exemple, nous avons introduit le chronométrage électronique, ce qui nous permettra d'améliorer la précision dans le dans les performances des athlètes, mais surtout de mettre déjà les athlètes dans le climat de la préparation des Jeux Olympiques de la jeunesse qui doivent avoir lieu à Dakar en 2026. D'autre part, nous sommes restés très rigoureux dans la sélection. Nous avançons de façon très rigoureuse. Tous les athlètes auront entre 15 et 20 ans, sauf à la boxe, où ils devront avoir plus de 16 ans. Voilà quelques innovations, quelques détails sur lesquels on s'accroche et nous accordons une très grande importance au contrôle antidopage. Yaoundé, c'est un peu le melting pot de toute la société camerounaise, c'est la capitale politique. On y retrouve un peu tout le monde, mais on a certainement voulu impliquer toutes les élites originaires du centre parce que le sport est de plus en plus une affaire populaire et c'est aussi une occasion pour le comité national olympique de sensibiliser ceux du deuxième, du troisième âge aux bienfaits du sport. Nous voulons donc tous pour que la fête soit de plus en plus belle parce qu'ils vont certainement participer, parce qu'ils peuvent apporter des idées, parce qu'on peut partager certaines valeurs avec tout le monde. C'est ce qui nous pousse à vouloir vraiment qu'ils s'impliquent. D'abord, les athlètes, en général, les compétiteurs arrivent le 10 et le 11. Les compétitions vont se dérouler du 12 au 19. La cérémonie d'ouverture a lieu le 12, celle de clôture a lieu le 20. Et les athlètes repartent dès le 21. Alors, les lieux de compétition, on a essayé de voir les lieux qu'on pouvait utiliser. Vous savez, Yaoundé aujourd'hui se présente aussi comme pas seulement la capitale politique, mais on pourrait dire aussi une capitale où vraiment les infrastructures sportives ont pignon sur rue, avec tout ce que le président Biya a mis en place tant à Douala qu'à Yaoundé. On peut prétendre qu'on a de très bonnes infrastructures sportives. C'est tout à fait un souci pour nous, parce que nous pensons qu'à ce niveau, nous devons mettre les athlètes dans les meilleures conditions de préparation des meilleures performances pour l'international. C'est pour ça qu'on va rester très rigoureux sur l'âge, parce que n'oublions pas que l'un des objectifs des Dixiad était d'abord de présélectionner les jeunes qui vont être accompagnés dans les années qui suivent pour devenir des grands champions. Donc, nous devons les mettre
Au début, ils dormaient dans des dortoirs. Aujourd'hui, nous faisons tout pour les mettre dans des hôtels de bon standing. Nous faisons tout pour qu'ils, le temps des compétitions, qu'ils aient une alimentation correcte, qu'ils aient des soins corrects. Non seulement chaque délégation a médecins, soigneurs, entraîneurs, mais sur place, au niveau national, nous renforçons ces équipes avec une équipe médicale, une équipe d'encadreurs, pour que les gens se sentent vraiment qu'ils baignent dans une ambiance de grande compétition, afin qu'ils fassent évidemment les meilleurs résultats possibles. Nous souhaitons que les Camerounais de tous âges puissent aller, surtout que les entrées à ces compétitions sont libres, et nous souhaitons voir les Camerounais habitants Yaoundé ou ceux qui peuvent même venir hors de Yaoundé venir encourager les sportifs. C'est chaque région qui envoie à peu près 200 sportifs pour ces Dixiat. It's with an interview of Minister Grégoire Wona, General Coordinator of the National Games of Cameroon, that we put an end to this edition of the Cameroon Olympic View, where emphasis was entirely laid on the upcoming National Games of Cameroon. We take the appointment with you on CRTV for the last edition of the Cameroon Olympic View for the year, for this year 2024. It's going to be next month, December. We are going to do a carry out the balance sheets of the National Games of Cameroon that must have ended in Yaoundé. Until then, stay tuned to programs on CRTV. Bye-bye.